Oui, c'est bon, je me suis bien levée. Oui. Je pars de chez moi, là. Bon, je te laisse, je vais rater mon bus. Madame Lavernier ? Madame ? Madame Lavernier ? C'est vous qui faites tout ce bruit dans la nuit ? Non. Vous allez me dire que c'est pas vous qui jouez du piano jusqu'à 2h du matin ? Tout ce boucan, ça m'empêche de dormir. C'est insupportable. Et vous avez de la chance que j'ai pas appelé la police pour taper nocturne. Je suis... Mais sérieusement, vous vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas la seule hein, dans cet immeuble. Pardon, je pensais que vous n'entendiez pas. Ah, parce que je suis sourde en plus. Non, non, mais je pensais pas que les murs étaient si fins. N'appelez pas la police, je vais arrêter. Bon, ça ira pour cette fois, mais ne pleurez pas. Comment se fait-il que vous soyez si fatiguée à votre âge? J'ai l'air si fatiguée que ça. Pourquoi jouez-vous du piano alors que vous pourriez dormir? J'ai pas le temps d'en faire la journée à cause de mes études. Et du temps pour vous? Vous en avez? J'imagine que vous n'avez même pas pris votre petit déjeuner. Allez, venez, c'est prêt. Merci, c'est gentil, mais j'ai un examen aujourd'hui et je dois vite aller prendre mon bus. Vous prenez le 16? Bon, il est passé. Vous prendrez le prochain. Allez, venez reprendre des forces. J'ai remarqué que tu aimais bien claquer les portes aussi. Cette famille. Le piano aussi? Non, ça c'est juste moi. C'est ta passion? Mmh. Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, je préfère faire ça que de réviser des trucs par cœur que j'ai pas compris. Mmh. Il est beau. Il s'appelle comment? Omaric. Oh. C'est ma femme qui l'a choisi. C'est joli. Tu me fais penser à elle. Elle aussi n'avait Dieu que pour le piano. Ah oui? Et elle en faisait son métier? Non. Elle était guide conférencière. Tout son entourage disait que la musique n'était pas un métier, mais un passe-temps. Surtout son père. Je détestais son père. Il n'a jamais... travail égale souffrance, qu'il disait. Ça fait longtemps qu'elle a disparu. Tu dois y aller. Pardon, j'aurais pas dû vous poser la question, c'était maladroit. Non, c'est ton bus. Je dois partir. Pardon. Merci pour ce moment et à bientôt. Je peux peut-être vous aider. Vous voulez pas prendre l'ascenseur? Je t'en pose des questions, moi. Mais non, c'est pour faire mes exercices. Bon, bah, dans ce cas... C'est quoi ce sourire sur ton visage? J'ai une bonne nouvelle. Ah, continue, ça m'intéresse. J'ai raté mes examens. Félicitations! Bon, mes parents ont pas trop kiffé. On s'est encore disputé, mais je leur ai parlé de vous. Ah, je suis célèbre maintenant. Ça me plaît, continue. Ben, je leur ai raconté comment je me sentais mal le jour de l'examen et tous les autres jours. Et je leur ai parlé de votre invitation, la discussion qui s'en est suivie. Ben, du coup, ça les a fait réfléchir. Et ma mère a convaincu mon père de me laisser arrêter. Enfin, mon père est d'accord que j'arrête seulement si je me trouve un petit job à côté, histoire de me faire un peu de sous. Ben, trouve un job de nuit, tant qu'à faire. Pourquoi, c'est mieux? Non, ça évite que tu me réveilles la nuit. Allez, prends ton envol, petite. Et je voulais vous remercier pour... Tiens, il est à toi.
mais qu'est-ce que j'en fais ?